avec Véronique Brett où on attend vos témoignages après ce terrible incendie à Notre-Dame. À Saint-Méloir-des-Bois, dans les Côtes-d'Armor aussi, on a tenu à partager sa tristesse dès hier soir. Et le maire Michel Desbois a fait sonner les cloches de son église pour l'occasion. En tant que pompier professionnel et père d'un pompier de Paris, il s'est aussi senti particulièrement concerné par cet incendie. Effectivement, je ne reste pas insensible au travail et je pense à mes collègues qui font tout pour sauver ce joyau de l'architecture qui a résisté à toutes les guerres, à tous les conflits depuis 1000 ans. Quoi. C'est très technique, effectivement. Ouais. C'est un bois très sec. Hein. Depuis 1000 ans qu'il a bien séché, effectivement, la tâche est compliquée. Et puis l'accès est compliqué parce qu'il y a des travaux. Il faut passer à travers les échafaudages, etc. Il faut faire attention à cette structure qui est très, très fragilisée actuellement. Voilà. Et puis ne pas mettre des tonnes d'eau sur la voûte de peur qu'elle ne résiste pas au poids, quoi. Le maire de Saint-Méloir-des-Bois dans les Côtes-d'Armor au micro de France Bleu Armorique ce matin.